La sonnerie retentit. On a été coupé. Je ne veux plus te parler. Et mon fusil? Liquidé, avec les affaires de la maison, il y a 15 ans. Ne rappelle pas. Quand est-ce que ça finit? Comment savoir quand ça finit? Tout ce qui est lancé dans l'espace ressemble à un lien entre deux êtres. Ça tisse des fils, ça s'en mêle, comme ça s'en mêle. Et il faudrait passer sa vie à démêler, ou du moins la partie d'après, celle qui suit le moment où les pelotes gisent tous azimuts. Reprendre le fil, oui. Elle s'assit. Elle se tiendrait sur cette chaise, un moment. Il lui faudrait du temps pour assimiler ce qui avait eu lieu et tenait à la fois de l'extraordinaire, du grotesque et de l'inouï. Elle se leva lentement, ouvrit grand la fenêtre. L'air froid offrit à son corps de nouveaux contours. Je m'appelle Odile Cornu, je suis autrice. Et dans mon travail, c'est surtout la diversité des genres littéraires qui m'intéresse. Explorer les mots, explorer les rythmes, explorer la diversité de l'énergie dans le langage, essayer de trouver de nouvelles formes ou de trouver comment dire ce qu'on a envie de dire, mais avec des formes nouvelles. Le théâtre m'intéresse aussi, la lecture à voix haute que je pratique moi-même, la vibration qu'on trouve dans un même lieu à partager un texte avec un public. C'est comme une invitation ici aussi, dans une forêt, qui est un endroit où je viens régulièrement, qui est aussi un espace d'invention des formes, une forêt de diversité. J'aime comme ça vibre sur une scène de théâtre, j'aime comme ça vibre dans une forêt et j'aime l'exploration des mots pour le dire. C'est la première fois que je m'attelle au genre du roman avec ce livre, Fusil, qui paraît cet automne aux éditions d'En Bas. Et c'est un livre qui a pour point d'appui les objets. Donc chaque objet que j'ai choisi, il y en a une trentaine, autant de chapitres, m'a donné l'impulsion, m'a donné l'histoire, m'a donné sa propre inertie pour pouvoir raconter une histoire. Bon, il y a un fusil dans le titre, donc il y a aussi un fusil qui est à la base de l'argument. C'est un fusil qui est réclamé par un homme à une femme après 20 ans de séparation. Donc c'est le fusil du titre. Les personnages de l'histoire, il y en a trois. Un homme, une femme et la fille de cette femme qui oscille entre enfance et adolescence. L'homme et la femme vont être enthousiastes dans leur relation au début et puis ensuite ça va se déliter. La fille va être témoin de ce délitement, d'un peu de cet éclatement du couple et de la famille. Et puis c'est un roman qui explore la menace, la banalité de la menace qui finalement va exploser. Je vous montre la couverture parce que les dessins qui sont dessus sont aussi les dessins de ces objets qui font chapitre. C'est des dessins que j'ai réalisés moi-même, c'est aussi une première pour moi. J'avais envie de vous proposer une citation. Celle est issue d'un autre texte, mais j'aime faire des liens entre mes textes, donc la voici. Lucide à plein tube, c'est ce que je vous souhaite. Et c'est certainement ce dont on a besoin pour avancer grâce au texte dans la vie, les yeux grands ouverts.